Coucou à toutes. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'un album. Un album style, toujours pareil, donc style accordéon. Voilà. Donc, hop. Voilà, c'est un accordéon comme ceci. Bon, j'espère que vous allez bien voir parce qu'ici, il fait sombre, mais dehors, il fait beaucoup de soleil. Donc, ça fait peut-être un reflet. Alors, ici, bon, il y a des pochettes photos ici. Donc, ici, bon, ben, ça a été réalisé avec une petite cordelette ici avec des perles. Les petits embellissements ici en métal de chez La Bulle à Scrap. Ici, j'ai rajouté des fleurs de chez Action. Ici, le tour ici a été fait avec de la dentelle plastifiée, ben, de chez Action, comme celle-ci. Voilà. Et ici, pour le devant, j'ai utilisé ce que j'ai. Je vous avais fait voir dans un haul Action, c'était ceci. Voilà, dans le rayon cuisine. Enfin, j'espère que vous allez voir. Dans le rayon cuisine, donc c'est du plastique. Voilà. Donc, la couverture de l'album a été réalisée avec ceci. Donc, il y a 14 pages. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Oh, il y a un reflet pas possible. Alors, en dessous, j'ai mis des petits pieds. Donc, c'est des bobines que j'ai enroulées de dentelle. Ici, voilà, à l'arrière, j'ai mis quatre petites perles, comme ceci. Au-dessus, vous avez une petite, comment dire, une petite, un petit ruban ici rose, enfin, couleur saumon que j'avais trouvé chez Noz. Voilà. Donc, ici, pareil, hein, j'ai mis les embellissements en métal. De la Bulle à Scrap, rajouter ici des petites fleurs de chez Action. Hop, il y a encore des fils de colle, c'est pas grave. Hop, ici, bon, j'avais pas de chaînette, donc j'ai fait bon, pour faire un style shabby. Voilà, le devant ici, voilà, c'est une composition florale. Je sais pas si vous allez bien voir, ça m'énerve. Alors, une composition florale ici au-dessus et ici. J'ai fait une composition également florale avec des fleurs du kit de Corinne ici. Et ici, si je fais ça, vous allez bien voir. Oh là là là. Désolée. Et ici, j'ai rajouté un petit nœud papillon ici en satin. Ici, une composition florale avec des perles. Et ici, voilà, j'ai acheté de la, comment dire, du fil métallique. Je vais peut-être vous faire voir au-dessus, ça ira peut-être mieux. Donc le fil métallique ici, et j'ai fait un petit tourbillon. Et ici, c'est une petite guirlande de petites perles. Donc voilà, donc quand vous l'ouvrez, ben, bien sûr, ça fait ceci. Hop, voilà. Donc ça fait un accordéon. Donc le devant est comme ça. Et pour le livre d'or, donc pour le livre d'or, j'ai voilà, j'ai marqué livre d'or ici. Voilà. Ici, j'ai mis un petit cœur en argent avec une fleur ici de chez Action. Donc pareil, ça a été recouvert avec le comment dire le plastique de chez Action. Et ici, j'ai rajouté une petite plume. Et en bas ici, j'ai mis une composition florale. Et pareil, j'ai mis une cordelette ici de petites perles. Et voilà. Et à l'intérieur, hop! Quand vous l'ouvrez, bah, tout a été aussi plastifié. Ah, c'est pas vrai, ça, j'ai horreur de ça. Bon, peut-être comme ça sera peut-être mieux. Voilà, j'ai tiré le rideau. Donc, ici à l'intérieur, donc, pareil, j'ai recouvert. Donc, ici, il y a un petit livret. Voilà, pour annoter des petits trucs. Voilà. Et ici, sur le côté, ici, j'ai fait un album également accordéon où elle pourra ranger ses photos de mariage, etc. Donc voilà. Alors, le L est parti. Hop, donc voilà. Donc ça, c'est pour le livre d'or. Et ici, c'est pour le comment dire? Hop, c'est pour l'album style accordéon. Voilà. Voilà. Bon, ce que j'ai réalisé bah, hier et aujourd'hui. Voilà. Donc, ben, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner, ben, si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.